Salut à tous les amis, c'est Warcent, j'espère que vous allez bien, sortez aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo. Une vidéo collection, c'est la troisième, donc aujourd'hui je vais vous présenter les derniers entrepôts que j'ai faites dans ma collection. Donc, un américain et de l'allemand. Donc je vais commencer par le casque américain, qui a extrêmement morflé, comme vous pouvez le voir. Il a très 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 morflé, c'est même sévère, vous voyez il reste un peu... Quelques détails qui prouvent que c'est bien un casque américain. Donc avec un marquage intérieur, bon le marquage je pense pas que c'est d'époque, hein, ça m'étonnerait. Ça me paraît bien, il me paraît être trop propre. Vous voyez, le casque est extrêmement morflé. Il y a quand même les restants des attaches pour les jugulaires qui sont là. Je crois qu'il n'en reste qu'une en plus, il reste qu'une attache. Bon ça je l'ai rentré à pas cher donc... C'est pour ça que je l'ai. Après, la pièce d'après, un petit bruit allemand. Bon, un petit boîtier qui est cassé, hein, en entendant les pièces à l'intérieur, mais bon, pareil, elle rentrera pas cher non plus, donc j'ai pris. Avec le marquage à l'arrière. Alors, c'est marrant, c'est pour la petite anecdote, je me suis rendu compte que chez mes grands-parents, il y avait exactement le même, mais ça servait de boîte à savon. J'ai jamais fait gaffe en fait que c'était un beurrier, ça m'a bien fait marrer quand je me suis rendu compte. Hop là! Cartouche allemande, modèle de 44. Donc, en fin de guerre, en cuir bien noir. Voilà, elle est cassée à l'arrière. Ce qui est dommage. Avec les marquages, alors je sais pas si on va avoir le marquage fabricant. Non, on va pas le voir. Parce que mon téléphone est trop pourri pour faire la mise au point. Vous voyez une petite. Comment vais-je dire. Cartouchière toute sympathique. Une gamelle allemande. Gamelle allemande avec les initiales du soldat dessus. Alors je vais vous les montrer. Je sais pas si vous voyez très bien, il y a un V et un Z. Le V il est là et le Z il est là. Ici là, VZ. Donc elle est assez propre. Vous allez voir, bon intérieur un peu sale, faut que je nettoie l'intérieur, je l'ai pas encore fait, j'ai fait que le couvercle avec des récentes peintures et aussi avec les marquages. Alors il y a un marquage, je sais plus où il est. Alors, le marquage, la gamelle et son couvercle ne sont pas de la même année. Alors là, le marquage là, vous voyez, c'est E38, je crois. Ouais, c'est E38. Et le marquage est de 39. Donc c'est pas du tout de la même époque. De la même année, c'est de la même époque. Si. Et pour finir, un sac à pain allemand. Donc il est vraiment morflé. Il a bien vécu comme on dit. Même troué je crois à l'intérieur. Non c'est là qu'il est troué. Si. Il y a un tout petit restant d'étiquette. Donc c'est vraiment pas non plus une super pièce, mais bon c'est toujours ça. Et je vais vous montrer un petit truc. C'est mes présentoirs à casque. J'avais des coupes, je sais pas quoi en faire. Ben, voilà, petit présentoir à casque. Plutôt propre, plutôt sympa comme idée. Au lieu qu'il traîne sur mon tiroir. Alors sinon je vous parle aussi de fait de ma collection, de ce que je collectionne maintenant, parce que je me suis vraiment arrêté dans ma collection. Donc je collectionne tout objet allemand. Voilà, vous avez un aperçu de ma collection. Je collectionne tout objet allemand, particulièrement du 25e corps d'armée, donc c'est celui qui était présent en Bretagne. Après j'aurai plus des objets par rapport à Alliés et Vilaines. Et pour les Américains, je collectionne des objets de deux divisions, celle de la 8e DI et celle de la 4e DB. Donc là, c'est des objets bon, principalement qui viennent de détection que j'ai acheté. Mais pour l'américain, je me concentre sur ces deux thèmes. J'ai fait plus l'anglais à part les objets de fouille que si j'en trouve. Comme le français, j'en fais pas non plus. Les seuls objets qu'il y a là, c'est des objets qui viennent de fouille. Donc voilà, c'était maintenant, à partir de maintenant, je me concentre que sur la 8e DI, la 4e DB et le 25e corps d'armée allemand. Je fais pas l'anglais, je fais pas le français, à part bien évidemment des objets de fouille, hein, comme ça vient du secteur d'à côté de chez moi, c'est toujours sympa à avoir en collection quand même. Bon allez, c'est la fin de cette vidéo, j'espère que ça vous aura plu, n'hésitez pas à vous abonner, laissez un petit comme, ça fait toujours plaisir. Je vous dis à la prochaine, salut!